Excellence, Monsieur Abdel Fattah al-Sissi, président de la République arabe d'Égypte, chers frères, Mesdames, Messieurs, comme l'année dernière, je me réjouis de prendre part à cette deuxième édition du Forum d'Assouan et remercie mon frère, le président Abdel Fattah al-Sissi, pour son aimable invitation. En portant la réflexion sur les moyens de se remettre de la pandémie COVID-19 afin de renforcer la paix et le développement durable en Afrique, le thème de cette année nous rappelle les exigences de l'heure. Pour que l'Afrique se relève de la pandémie, reprenne une vie normale et sa trajectoire d'émergence dans la paix et la stabilité, il nous faut, à mon sens, résoudre trois urgences. La première urgence face à une maladie sans traitement spécifique reste l'accès universel aux vaccins pour arrêter la propagation du virus, sécuriser nos vies et notre santé. Cette urgence est vitale. Or, les statistiques montrent que seuls quelques pays parmi les plus développés, soit environ 10% de la population mondiale, ont reçu 45% des injections anti-COVID-19 jusque-là réalisées. Alors que le virus continue de faire des ravages à travers le monde, j'appelle à la mise en œuvre urgente et efficace de l'initiative COVAX. Il est temps de passer de la parole aux actes pour un accès de tous aux vaccins à des prix abordables et selon des normes sûres et éthiques. C'est le seul moyen de mettre tout le monde à l'abri de la pandémie. Deuxième urgence, il nous faut consolider les efforts de résilience et remettre l'économie sur les rails de la croissance. Cela passe par l'allègement conséquent du fardeau de la dette, puisque l'Afrique n'a pas les mêmes capacités budgétaires ni les mêmes instruments financiers que les pays développés. Je réitère mon appel pour la prorogation sur l'année 2021 de l'initiative du G20 de suspension du service de la dette afin de permettre à nos pays de disposer des marges budgétaires nécessaires pour continuer à faire face aux dépenses sanitaires et sociales engendrées par la crise, mais aussi accompagner le secteur privé, sauvegarder l'emploi et relancer leurs économies. Dans le même esprit, j'appelle nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, à travailler avec nous pour une réallocation partielle des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, ces droits non utilisés en faveur du financement des besoins urgents des pays qui sont en manque de liquidités. La troisième exigence, enfin, c'est de mieux valoriser l'énorme potentiel de l'Afrique. Notre continent n'est pas pauvre, mais plutôt appauvri par l'échange inégal et certaines règles de la gouvernance mondiale. Nous devons résolument poursuivre la quête d'une gouvernance économique et financière mondiale plus juste et œuvrer pour des échanges plus équitables qui protègent à la fois les droits du pays d'accueil et les intérêts de l'investisseur qui rémunèrent à leur juste valeur les matières premières, favorisent le transfert de technologies et créent les conditions de partenariats équilibrés et mutuellement bénéfiques. Je souhaite plein succès aux travaux du deuxième forum d'Assouan et saisis l'occasion pour vous inviter à la 7e édition
du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, prévu au second semestre de cette année sur le thème « Enjeux de stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post-Covid-19 ». Je vous remercie de votre aimable attention.